Indiscutablement, il fait partie de mon top 3 des artistes togolais de la nouvelle génération à suivre de près. Il s'appelle Mr. Katal. Il est avec moi. Bien quoi, frérot? Yeah, ici Badou Boy. Allez, je vais très bien. Et toi? Ça va, tranquille. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a du mindset, qui a de la détermination et qui ira très loin concernant la musique togolaise, perdre sa mère, surmonter toutes ses émotions et en même temps lancer un nouveau projet. Franchement, il faut avoir du mental. Et là, son nouveau projet, c'est Milagro, je crois. Oui, Milagro, c'est le titre. Qu'est-ce qui t'a amené à enregistrer cette chanson? Bon, déjà, Milagro, c'est un son que j'ai depuis, ah, qui était inachevé. Mmh. Et avec l'accord de Elite Label, on a décidé de faire sortir la chanson. Et, mais pas après, on n'attendait pas en fait la mauvaise nouvelle de mon moment, tu vois. Ok, donc si je comprends bien, le projet était déjà presque bouclé. Oui. Et le décès de maman est intervenu. Voilà, je peux dire. Ok, oui. D'accord. Et comment se porte en ce moment Milagro sur le marché? Ah, je crois que c'est... D'abord, j'ai eu à faire une petite pause, puisqu'il y a ma maman qui était malade, donc je fais plus de présence, il n'y a plus de sortie. Mais j'ai avec Milagro, je vois l'engouement, je vois les retours, je crois que... Et les fans sont toujours prêts à soutenir, à encourager, en tout cas, j'apprécie. Ok, après Milagro, est-ce que c'est un projet extrait d'un EP, d'un album, ou c'est juste un single en attendant un projet? Non, doucement, c'est un single. Ok, d'accord. Donc c'est ça la famille, Milagro, c'est le nouveau single de mon frérot, Katal. Le single se porte bien sur YouTube, allez-y streamer, donnez-lui de la force.